Pour mi ban point qui me soulevé. Premier point là-dedans. Premier point là-dedans, c'était un concernant appellation. Alors, dans nos explications, nous disons là-dedans qu'il y a dans certaines manouahabis, ont objecté qui fait à nous dire avant la wahabi. Le diable n'est pas visé à appeler nous wahabi parce qu'il nous ne nous pas suivre à le wahab, c'est pas Abdul Wahab. Si tu es là pour donner nous-mêmes nom, la cause de mauvais suivre Mohammed ibn Abdul Wahab, mais tu es visé de moi un autre nom, pas tu es visé à appeler moi wahabi. Alors aujourd'hui, nous sommes en système la même. Ben à cause, il nous fait une leçon. Hein? Nous fait une leçon. Alors nous nous disons avant la Wahhabi qui fait. Hein? Alors, il y a un dieu qu'on appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Vous pouvez écrire à Bibi, il est gros comme ça. Pour lui, rentrer dans la tête. Alors, je dis à quelque ça. Tu peux dire nous, Wahhabi. Mais nous ne suivons pas le Wahhabi. Du moins, là, tu appelles Mohammed. Mais si Dieu n'a pas appelé nous, tu peux dire nous, Mohammedi. Alors, où explique ça? Moi, tu dis que ça, c'est un fausse point qui nous élève. Parce qu'ici, la cause, tu peux suivre Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mobiliser dit à toi, Mohammed dit, mobiliser pas dit à toi ça. Wahhabi. Mais comment tu expliques moi ça, imam qui appelle Ahmad ibn Hanbal. C'est lui qui suit ça, imam qui appelle Ahmad ibn Hanbal. Comment on l'appelle Hanbali. Nous pas appelé Hanbali. Cinq. Le Tibisa appelle lui, nous appelle lui Hambali, nous pas appelle lui Ahmadi. Alors comme ça même, nous ne prenons sa boucle là pour dire à du monde qui suit Mohammed ibn Abdul Wahhab ou Arabi. Alors il dit non, mais là aussi tu es d'accord. Là aussi tu es d'accord, parce qui ça, du monde là ici là, pareil comme ici Hambal c'est un mot, un seul mot, mais ici là aussi Abdul Wahhab, ça c'est un mot. Alors si tu n'as pas appelé lui, tu peux dire Abdul Wahhabi. Aïe, Wahhabi, comment par quel ordre? Comment c'est par quel ordre? Mais moi, je dis encore une fois, problème, résoudre le problème là. Et l'imam appelle Abu Hanifa. Aïe, c'est lui qui suit ça, imam là. Comment nous utilisons à dire? Abu Hanafi, c'est pas Abu Hanafiya. Mais nous pas appelé Abu Hanafiya, nous appelé Hanafi, Abu là quand il allait là. Alors nous avons parlé comment on dit Abu ici, maman dit Ibn Abdullah ici. Les gens nous ont dit, mais si tu dis Abdullah, mais Al-Wahhab c'est Allah. Mais si tu veux dire Al-Wahhabi. Donc à cette là, enregistrement là, les gens comme ça, mais pas de problème, bah, Alhamdulillah, Al-Wahhab c'est qui est Allah. Soban, si la piala répond Allah, Al-Wahhab c'est Allah, déjà bien Al-Wahhabi, mais c'est lui qui suit Allah. Suit Allah. Donc il a fait avec Maman Sou là. Nada Allah. On te suit Allah quoi? Dans le Coran, il a des termes une série. Une série de termes, Ita'a. Après une série de termes, Ittiba. Remarquez où est le Coran partout. Quand il y a une cause concernant Allah, il n'a pas une cause Ittiba. Ittiba veut dire suivre. Parce qu'Allah n'a pas un lego. Allah n'a pas pensé. Ben Ittiba et Ittara. Nous disons Adi'u Allah wa Adi'u Rasul. Obéir. Obéir à Allah, nous pas suivre Allah. Quand on a l'enfant,
Mais par contre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pratique, il fait un kitso, il fait monter du monde comme un fiali. Alors, vous lisez et la suivez. Alors, il s'est dit, qu'on est contre le prophète Bounallah, fattabi'ouni. Pour Rasulullah, il s'est dit, il dit, Allah, il s'est dit, il dit. Allez, alhamdulillah, nous allons suivre Allah. Nous allons suivre Allah. Allez, y'a. Ah, d'une façon, nous allons dire la raison. Parce qu'il soit guida, Allah, il a la vérité pour la vie. Allah, il va aussi, Allah, il descend tout. Alors, pas suivre. Mais nous, non. Nous allons obéir à Allah, nous suivre Rasulullah. Alors, l'in, voyez, un premier point là qui nous révèle la ligne bientôt en bas là. De dire moi, Babi Zadia. Wahhabi, vis-à-vis de Mohammadi, vous direz ici, tu viens sans être Ahmadi. Si tu sens quoi, vous sens moi. Tu ne pas sens moi, pas sens. Quand tu dis moi, tu viens de dire Abdul Wahhab, alors là, vous direz ici, tu viens de dire Abu Hanifi, ou bien Abu Hani Hanafiya, ou bien Abu Hanafi. Si tu sens vous sens si tu ne pas sens moi, pas sens. Correct. Problème là, il résout. Numéro 1, down. Non, Wahhabisme.